Salut à toi, j'espère que la vidéo va, va te trouver en très bonne santé. Euh, voilà, donc dans cette nouvelle vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une nouvelle qui vient de tomber. On est le 27 juin 2023 et aujourd'hui même, euh, Immigration Canada vient de euh, publier euh, une nouvelle pour les presque un million de travailleurs temporaires qui sont actuellement au Canada. Donc quand je parle de travailleurs temporaires, je parle des travailleurs qui ont soit un permis de travail fermé ou un permis de travail ouvert. Donc, vous êtes tous, vous êtes membres de la grande famille des travailleurs temporaires. D'accord? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Mon nom est Siwe je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle d'immigration et je fais la promotion des études à l'étranger. Si tu veux être parmi les premières personnes à profiter des opportunités qui s'offrent pour le Canada, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà. Donc, j'ai partagé mon écran et dans cet écran, comme vous pouvez voir, ça, c'est la nouvelle qui vient de tomber, on est le 27 juin. OK Donc euh, ça c'est une information très mais très à jour et ici, je vais on va parcourir cette nouvelle et on va pouvoir vous allez pouvoir comprendre à quoi ça sert et c'est quoi les conditions pour pouvoir aller étudier quand vous avez un permis de travail fermé ou ouvert. OK Voilà. Donc la nouvelle est ici, nouvelle mesure visant les travailleurs étrangers qui cherchent à améliorer leurs compétences. D'abord, il faut comprendre une chose. Jusqu'à aujourd'hui, les travailleurs temporaires qui voulaient aller étudier ne pouvaient pas faire une formation de plus de six mois. Donc, le maximum que tu pouvais faire, c'était six mois. Donc, si tu étais quelqu'un qui voulait aller approfondir tes connaissances, acquérir de nouvelles compétences, pour pouvoir continuer à grandir au Canada, parce que tu es arrivé ici, tu as vu que il y a beaucoup d'opportunités dans tel ou tel ou tel domaine et que tu as envie d'aller étudier dans ces domaines-là, mais tu ne pouvais pas faire la formation parce que c'était maximum six mois de formation que tu peux faire. Mais à partir d'aujourd'hui, vous avez le choix de faire une formation d'une durée jusqu'à la fin de cette nouvelle, jusqu'à ce que si vous avez une formation de 3 ans que vous voulez faire, vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez une formation de 4 ans, vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez une formation de 1 an que vous voulez faire, vous avez la possibilité de le faire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que beaucoup de personnes arrivent au Canada, ils font un travail que malheureusement, ils n'aiment pas et ils aimeraient aller chercher une autre formation. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. OK? Donc, on va rapidement aller pour ne pas faire en sorte que la, la vidéo dure très longtemps. De toute façon, je vais laisser tous les liens. Les liens là que je vais les laisser au niveau de ma description, que ce soit pour la nouvelle et aussi pour la politique d'intérêt public. Donc, ceux qui connaissent le droit, ceux qui aiment le droit, vous pouvez aller voir exactement la politique d'intérêt. C'est des affaires d'articles et de lois. Et si vous aimez ça, vous allez pouvoir euh, vous amuser avec ça. Alors, donc, comme vous pouvez voir, on va aller ensemble, on va aller lire le premier paragraphe. Chaque année, des milliers de travailleurs étrangers temporaires apportent leurs compétences au Canada. Ce faisant, ils contribuent à stimuler notre économie et remédient à de graves pénuries de main-d'œuvre. Or, malgré le rôle important qu'ils jouent relativement à la prospérité du Canada, les travailleurs étrangers doivent parfois surmonter des obstacles en ce qui concerne le type de programme d'études auquel ils peuvent s'inscrire dans l'optique de réaliser leurs rêves et de créer de nouvelles possibilités. C'est pourquoi je vous dis que c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va aller au deuxième paragraphe ici. Aujourd'hui, l'honorable Sin Frazier, ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, a annoncé une nouvelle mesure temporaire qui supprime la limite de, de durée des programmes d'études auxquels les travailleurs étrangers, temporaires, peuvent s'inscrire sans permis d'études. Très important, donc. Et aussi à mentionner, les travailleurs temporaires actuellement qui veulent aller étudier dans une université, dans un cégep, que ce soit dans une formation, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine de l'informatique, le domaine de... N'importe quel domaine où vous êtes éligible, ok, où vous pouvez avoir une admission, d'accord, vous n'avez pas besoin de faire une demande de permis d'études. Ça veut dire quoi? Les preuves de fond. Les fonds, les, les, les vous devez prouver que vous avez à avoir 10 millions de comptes en banque. C'est fini tout ça. Vous n'avez pas besoin de le faire jusqu'à la fin de la validité de votre permis de travail. OK? Donc, ça, c'est super important. À compter de maintenant, les étrangers, les travailleurs étrangers temporaires pourront suivre des formations, des cours supplémentaires susceptibles de les aider dans leur carrière. Cette mesure améliorera aussi les perspectives d'emploi et leurs chances de transition vers la résidence permanente. Afin, avant ce changement, des travailleurs étrangers pouvaient étudier pendant qu'ils travaillaient, mais seulement dans le cadre de programmes de moins de six mois ou moins. Donc, comme je vous ai mentionné, pour suivre un programme plus long, ils devraient présenter une demande distincte de permis d'études. Il s'agit d'un obstacle pour les personnes qui voulaient atteindre un niveau de scolarité plus élevé et recevoir davantage de formations, notamment celles qui devaient parfaire leurs compétences ou valider leur titre de compétences étrangers dans le cadre de certains programmes. C'est clair, hein, les amis? Bon, au terme de cette nouvelle mesure temporaire de trois ans, donc c'est jusqu'au jusqu mois de juin 2027. Je pense, 2026 ou 2028? On avait vu ça quelque part. Hein? Bon, de toute façon, je vais vous le montrer. Il faut que je vais aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh... Ah, c'est sur l'autre page, OK? Mais c'est euh, trois ans, OK? Donc, au terme de cette nouvelle mesure temporaire de trois ans, les travailleurs étrangers temporaires peuvent étudier à temps plein ou à temps partiel pendant la durée de validité de leur permis de travail. Ou jusqu'à l'expiration de cette politique. Est-ce sans limite quant à la durée de leur programme d'études? Parfait. Euh, cette mesure temporaire vise les personnes qui sont titulaires d'un permis de travail valide. Donc, si vous avez un permis de travail qui n'est pas valide, ça veut dire que vous êtes resté ici après euh, que votre permis de travail est expiré. Donc, c'est pas fait pour vous. Donc, faut que le permis de travail soit valide, ok ou pour les personnes qui ont présenté une demande pour renouveler leur permis de travail le 7 juin 2023 ou avant. Donc, c'est clair, hein? Et qui sont autorisés à travailler. Si un travailleur étranger souhaite étudier plus longtemps que la durée autorisée par son permis de travail, il doit quand même faire une demande de permis d'études. Ça veut dire que si tu as un permis de travail de deux ans, okay, à partir de maintenant, tu as un permis de travail valide pour deux ans, si tu décides d'aller à l'école, ok, tu n'as pas besoin de faire une demande de permis d'études. Tu vas l'étudier pendant deux ans. Si tu fais une formation de deux ans, c'est bon. Si tu fais une formation de quatre ans, donc après les deux années, quand ton permis de, de travail va expirer, à partir de ces deux ans-là, tu vas faire une demande de permis d'études. Et en ce moment-là, il faut l'épreuve de fond. Il faut les documents qui reviennent là donc c'est important là de considérer ça ok donc de bien choisir son programme d'études ok super important donc ici là je vais pas rentrer là-dedans parce que je vais vous laisser les liens là. les liens euh, je vais tout laisser les liens comme ça vous allez pouvoir aller voir exactement les choses que je vous dis euh, mais n'empêche que tout ça c'est pour vous dire que c'est une très bonne nouvelle pour les 1 million de travailleurs temporaires qui sont actuellement au Canada vous avez la possibilité d'aller vous former à nouveau, choisir une carrière qui vous plaît parce que vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé que la carrière que vous, la carrière que vous avez choisie n'est pas une très bonne carrière pour vous ou que, que cette carrière-là n'a pas d'avenir ou le travail que vous faites actuellement n'a pas d'avenir, vous ne pouvez pas progresser et vous avez la possibilité d'aller euh, faire une autre formation et vous améliorer. OK? Voilà, donc euh, c'est ça pour cette partie-là ici. Et ce que j'aimerais aussi partager avec vous, je vais partager cette, ici, euh, voilà. Vous voyez cette page ici, c'est la politique d'intérêt public temporaire visant à permettre aux étrangers tutulaires d'un permis de travail valide d'étudier sans permis d'études. Donc ça, quand vous voyez une nouvelle, avant que la nouvelle soit publiée, ils mettent en place une politique d'intérêt. Et la politique d'intérêt, c'est ça qui permet de modifier ou d'introduire quelque chose dans la loi. OK? Et vous pouvez voir, considération relative à la politique d'intérêt, donc ça, vous, je vais vous laisser ça ici, vous allez pouvoir aller voir. Condition, ce qui est très important ici pour vous, conditions exigence en matière d'admissibilité. Alors, ici, c'est mentionné ici, comme je vous ai dit, OK, la date d'expiration bien ici jusqu'en 2026 donc j'avais bien vu ça c'est jusqu'à jusqu'au 27 juin 2026 et vous allez pouvoir aller voir et vous allez voir les conditions qu'ils mettent pour vous les critères d'administration euh, de sélection la date d'entrée en vigueur qui est aujourd'hui le 27 juin 2023 jusqu'au 27 juin 2026 donc sur ce, les amis, je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que j'évite de faire des vidéos trop longues. Et euh, voilà, donc vous avez les liens, je vous les partage et n'oubliez pas de vous abonner euh, pour euh, continuer à faire grandir la communauté et il me fera plaisir de vous faire, de partager gratuitement des nouvelles vidéos, euh, de nouvelles vidéos lorsqu'il y a des nouvelles pertinentes. D'accord Sur ce, les amis, salut, ciao. Et à la prochaine. Et bonne chance hein, pour vous.